Salut à tous, c'est Ludo, bienvenue sur ma chaîne Les Ateliers de Ludo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une recette que l'on a beaucoup vue circuler sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Je veux bien entendu parler du fameux cookie à la fraise façon Cédric Grolet. Ce cookie fruité est très original, on le reconnaît entre mille de par sa couleur rouge. Il est fruité, il est composé d'une pâte à cookie saveur fraise, d'un caramel de fraise, d'un confit de fraise et on va décorer tout ça avec quelques rondelles de fraise. Vous allez voir que c'est une recette qui n'est pas si compliquée que ça et qui est vraiment canonissime pour l'heure du goûter, c'est parfait. Si vous aimez cette vidéo et que vous voulez en avoir d'autres, pensez bien à liker la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines recettes. Et si vous êtes prêt pour réaliser avec moi les fameux cookies fraises façon Cédric Grolet, eh bien c'est parti pour la recette. On va commencer par réaliser la pâte à cookies rouge à la fraise. Pour cela, nous aurons besoin de beurre pommade, de sucre roux, d'une pincée de sel, d'un peu de levure chimique, d'un œuf entier, de farine, de poudre de fraises et de colorant rouge alimentaire. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la liste complète et détaillée des ingrédients de cette recette juste en dessous de cette vidéo dans la barre de description. La poudre de fraises se trouve facilement sur internet ou dans les boutiques spécialisées. Ici j'utilise une poudre de fraises de la marque Coro. Je vous mets le lien du produit que j'utilise dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo. Dans la cuve du batteur, versez le beurre pommade coupé en gros dés et ajoutez le sucre roux. Mélangez l'ensemble en utilisant la feuille du batteur de façon à créner le mélange. Lorsque votre mélange a une texture bien crémeuse, vous pouvez y ajouter l'œuf, le sel, ainsi que la poudre de fraise et mélangez à nouveau jusqu'à incorporation complète des ingrédients. C'est le moment d'y incorporer le colorant rouge. Ici, j'utilise un colorant en gel. Ici, le colorant rouge est complètement facultatif. Vous pouvez très bien ne pas en mettre. Si vous avez utilisé de la poudre de fraise, vos cookies à la fraise auront bien le goût du fruit, mais auront une teinte beaucoup plus terne. J'obtiens une pâte à cookies particulièrement colorée qui va garder sa couleur rouge après la cuisson. Il ne nous reste plus qu'à ajouter les deux derniers ingrédients, à savoir la farine et la levure chimique. Et on mélange une dernière fois jusqu'à incorporation complète des ingrédients. Lorsque la pâte à cookies est homogène, on peut cesser de mélanger et la débarrasser sur un film alimentaire. Je la filme au contact tout en l'aplatissant avec les mains avant de la placer au réfrigérateur pendant une heure. Lorsque la pâte à cookies a suffisamment refroidi, je vais venir y détailler des petites portions de 70 à 75 grammes environ. Bien entendu, pour cette étape, j'utilise une balance. Cela va me permettre d'obtenir des cookies bien réguliers et d'une taille identique. Pour obtenir des cookies bien ronds, il me suffit de les façonner à la main en les roulant entre mes paumes de main. Je forme ainsi des boules de pâte à cookies que je viens disposer sur une feuille de papier cuisson en veillant bien entendu à les espacer suffisamment. Afin d'obtenir des cookies à l'épaisseur régulière, je viens les aplatir à l'aide de ma paume de main. Mes cookies sont prêts à partir en cuisson. La cuisson ici se déroule en deux temps. Je vais commencer par les pré-cuire dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 8 minutes exactement. Après la première cuisson, les cookies ont naturellement tendance à se déformer un petit peu. J'ai une petite astuce à vous livrer pour leur redonner une forme bien ronde. J'utilise un emporte-pièce de 10 à 12 cm de diamètre que je viens placer autour de mon cookie
en le tournant. Cela permet de rassembler la pâte à cookies et de donner à chaque cookie une forme bien circulaire. C'est une petite astuce de chef qui est vraiment magique. Avant de poursuivre la cuisson de mes cookies, je viens disposer par-dessus 3 rondelles de fraises que j'enfonce légèrement dans mes cookies qui sont encore mous. Mes cookies sont prêts à repartir en cuisson, je vais les cuire à nouveau à 170 degrés pendant 8 minutes exactement. À la sortie du four, je les laisse refroidir à température ambiante. Pour réaliser notre confit de fraises, nous aurons besoin de purée de fraises, de sucre roux, de pectine NH et d'un peu de glucose. Je commence par mélanger ma pectine au sucre roux afin de faciliter sa dissolution dans la purée de fraises. Dans une casserole, je verse la purée de fraises à laquelle j'ajoute mon mélange sucre roux et pectine que je verse bien entendu en pluie sans cesser de fouetter pour faciliter la dissolution de mes poudres. J'ajoute enfin le glucose et je fais chauffer l'ensemble sur feu moyen jusqu'à atteindre l'ébullition. . 20 secondes après l'ébullition, je peux retirer ma casserole du feu et je débarrasse mon confit de fraises dans un petit bol afin de lui permettre de refroidir à température ambiante. Pour réaliser notre caramel de fraises, nous aurons besoin de purée de fraises, de crème liquide entière, de sucre, d'un peu de fleur de sel et de beurre. Dans une petite casserole, je verse la crème liquide ainsi que la purée de fraises et je vais faire chauffer l'ensemble sur feu moyen jusqu'à ce que le mélange atteigne l'ébullition. Lorsque l'ébullition est atteinte, je peux retirer la casserole du feu. Pour réaliser mon caramel, je verse dans une seconde casserole le sucre que je vais faire chauffer sur feu moyen jusqu'à obtenir une jolie caramélisation de mon sucre. Lorsque mon caramel est prêt, je coupe immédiatement le feu et j'y ajoute le beurre bien froid coupé en gros dés. Et je mélange pour l'incorporer au caramel. Je peux ensuite verser mon mélange crème liquide purée de fraises encore chaud sur mon caramel. Et je mélange à nouveau jusqu'à incorporation complète des ingrédients. Je peux poursuivre la cuisson de mon caramel de fraises pendant 3 à 4 minutes sans cesser de remuer afin de lui permettre de gagner en épaisseur. Lorsque mon caramel de fraises est prêt, je verse simplement la fleur de sel et je mélange de façon à l'incorporer au caramel. Et je débarrasse mon caramel de fraises dans un petit bol de façon à le laisser refroidir à température ambiante. Tous nos éléments sont prêts, on peut maintenant passer au montage de nos cookies. Et pour cela, nous aurons simplement besoin de quelques fraises fraîches à découper en rondelles. Mon confit de fraises a suffisamment refroidi, il a gagné en texture, je vais pouvoir le pocher sur mes cookies. Mais avant cela, je vais le mélanger afin de lui redonner un peu de souplesse. Pour décorer mes cookies, il me suffit de pocher quelques pointes de caramel à la fraise sur mes cookies refroidis.
Et je procède de la même manière avec mon confit de fraises. Pour terminer, je dispose sur chaque cookie 3 à 5 rondelles de fraises qui vont vraiment venir apporter du goût et de la fraîcheur à nos cookies fraises. Et voilà, nos petits cookies fraises sont prêts pour l'heure du goûter. On va pouvoir les déguster entre amis ou en famille. Ils sont magnifiques, ils font vraiment envie. Vous allez pouvoir les partager avec vos enfants. Mais faites attention parce qu'à mon avis, ils vont pas faire long feu. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines recettes en vidéo. Et surtout, dites-moi si cette recette vous a plu en commentaire. Et si vous avez envie que je vous propose une déclinaison de cette recette à la framboise, pourquoi pas, dites-moi ça en commentaire, j'ai hâte de voir ça. À la maison, si vous refaites ces cookies à la fraise, pensez bien à me taguer sur les réseaux sociaux, @atelierdeludo au pluriel, et je me ferai un plaisir de venir voir vos propres réalisations. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver, comme pour toutes mes recettes, la recette de ces cookies sur mon blog www.atelierdeludo.fr ou en barre de description juste en dessous de cette vidéo. Je vous laisse pâtisser en famille et vous régaler entre amis avec vos proches. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette en vidéo. Au revoir.